Pendant 3 ans, j'étais analyste financière sur des SCI immobilières et j'ai quitté la banque avec perte et fracas en 2011 quand les indignados d'Espagne sont remontés un petit peu partout en France. Je suivais à l'époque ce qui se passait politiquement, j'avais vu qu'il y avait eu le printemps arabe et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et je me suis engagée à fond pendant 2 ans avec les milieux militants et les indignés un petit peu partout en France. Aïe, aïe. C'est lors d'un de ces voyages où je faisais du stop en Bretagne pour rallier un petit peu la coordination Bretagne que je suis tombée sur des lieux, sur des cafés. Je pense au Café de la Pente à Rochefort-en-Terre, à Augan avec le Champ commun. Et du coup, ça m'a vraiment donné plein d'espoir et je me suis dit que moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer un lieu où les gens vont pouvoir se rencontrer. Donc j'ai ouvert mon premier lieu en 2013 au Taille de Bretagne, à 12 km d'ici, sur une base d'un café littéraire sans alcool. Et puis bah, très vite, on a commencé à servir de la bière dans des théières. Donc on est devenu un peu un bar clandestin. On nous a demandé de nous mettre en règle. Et puis quand on est arrivé ici, donc sur Soulevache, la mairie cherchait en fait un repreneur et ils cherchaient un projet atypique, mais en même temps qui pouvait du coup tenir dans le temps. Et voilà, on est arrivé ici en fin 2014 et on a ouvert en 2015. Un café solidaire avec plein d'activités derrière, je pense aux magasins gratuits, aux trocs de livres, les spectacles sont à prix libre. Donc on est dans une démarche aussi où moi j'interpelle beaucoup les artistes pour leur demander en fait justement de proposer des spectacles moins chers pour le papier buvard parce qu'on est en fait dans la commune la plus pauvre du 44. Il y a un gros taux de chômage ici parce qu'il y a très peu d'emplois. En fait, on est sur des bassins qui sont en train de se... des bassins industriels qui sont en train de se renouveler, mais ça manque un petit peu. Donc il y a beaucoup de gens qui sont RSA. Et puis le café solidaire, ça permet d'acheter une bouteille de jus de pomme à 3 €, de voir des spectacles à prix libre et de limiter son budget et d'en profiter tous les mois. En 2015, on a créé l'association du verre solidaire et il y a énormément de gens en fait, qui ont commencé à m'entourer, qui m'ont dit on peut te donner des coups de main, donc je les ai formés au bar, on s'est formés aussi au son et voilà, du coup là actuellement on est une dizaine très engagés sur le café. Vous ne supportez plus les yeux de vos enfants devant les actualités. Vous ne supportez plus de ne pas avoir le choix quand vous allez voter. Vous ne supportez plus de ne pouvoir rien faire pour tous ces réfugiés. Vous ne supportez plus de ne pouvoir rien faire pour tous ces réfugiés. Un passage en associatif, c'est d'abord sur une location gérance, c'est-à-dire que c'est un changement de statut. Moi, je suis en micro-entreprise depuis 7 ans. Il faut que l'association reprenne le café. Il faut savoir que sur un café associatif, seuls les adhérents peuvent venir consommer. Donc, il faut trouver des systèmes qui permettent aux gens d'adhérer à l'association et pour pouvoir venir consommer au café. Il va y avoir aussi un changement de carte. C'est plus facile d'avoir un café associatif en licence 2
pour qu'il n'y ait pas trop de gestion d'alcool fort. C'est plus compliqué parfois sur la licence 4, en tout cas à gérer en associatif. C'est un nouveau système comptable à mettre en place aussi. Et après, sur le fond, ça ne change rien, puisqu'en fait, moi, je laisse complètement, je laisse tout le local, le matériel, tout ce qui a été mis en place à l'association. Tiens ! Où sont les propriétaires du premier rang ? Je fais un appart. Les propriétaires ? Le secteur dans lequel il est. Moi, je déconseillerais quand même de franchir la limite. Je parle sérieusement, hein. Il y a eu le festival Chaude comme la braise, qui est un festival sur la sexualité, sur le genre, qui s'est déroulé en collectivité avec l'association .. Ça, c'est suite à une rencontre avec Vanessa, qui est venue habiter ici. Donc, on a eu un festival d'une semaine avec des rencontres et des écritures cyberféministes, la non-mixité pour les hommes et pour les femmes, une soirée qu'on a appelée la grande dégenrée. Il y avait des imprimantes 3D pour la fabrication de sextoys. Du coup, c'est vraiment des propositions que les gens viennent nous faire et nous, on y colle, on les présente et ça permet d'avoir un lieu d'action en fait où se retrouver. Attends, je réfléchis, attends. Moi, je vis de la CAF. Je vis de la CAF, si j'avais pas la CAF, je pourrais pas vivre. Parce qu'en fait, c'est des activités qui sont très peu rémunératrices. On en travaille bien en saison plutôt, pas trop en hiver. Donc moi, mes grosses saisons, c'est avril, mai, juin. Et puis là, faut mettre vraiment des sous de côté pour pouvoir vivre le reste du temps. Après, moi, je vis de la solidarité aussi, hein. Je tiens un café. Donc les gens m'apportent leur surplus de légumes. On a le magasin gratuit qui me permet de m'habiller. Mon fils a 4 ans, il va à l'école publique ici, juste en face, donc j'ai pas de gros déplacements. Et puis je limite au maximum, je fais attention sur plein de choses, quoi. Ouais, en fait, moi, je suis assez fière de toucher la CAF parce que pour moi, en fait, ce RSA, c'est un peu mon revenu minimum de vie. En fait, ça devrait être le revenu minimum universel qu'on touche tous. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça bien de la toucher, la CAF, et c'est bien de se dire qu'on a le RSA, dans mon cas, le RSA activité. Mais elles sont importantes, ces aides, en fait. Moi, j'en ai pas honte. Je trouve que tout le monde devrait pouvoir les toucher. Mais c'est l'enfer. J'avais toujours imaginé en fait que le café il finirait par devenir associatif parce que c'était mon idée de départ. Les difficultés, j'ai vécu un peu de collectif en tout cas pendant mes 2 années de militantisme et je me suis rendu compte que c'était extrêmement difficile en fait en collectif de créer un projet et de partir du point zéro. Et du coup moi j'ai eu envie de le faire, alors je l'ai fait de manière très solitaire, de manière très autonome, mais en espérant que les gens en fait justement voient que les choses étaient en place, qu'ils s'y collent et que du coup ils continuent et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis que ça peut vraiment fonctionner, parce qu'il y a beaucoup moins de stress en fait, comme il y a déjà une entité qui est en place et il y a une base. On va pas discuter pendant 10 heures de savoir quel type de café on va utiliser, est-ce que les tables sont roses, est-ce qu'elles sont vertes. Non, le local il est là, il n'y a plus qu'à l'utiliser et puis chacun va pouvoir venir y rajouter ce qu'il a envie. Salut. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va ici, chaussures, super, elles sont en bon état, impec. Et des vêtements. C'est joli, hein? Ça m'irait. Je sais pas si c'est. Quelle taille que c'est? C'est du 42. Oh, bah, ça m'irait. Ouais. Moi qui adore le rouge. Bon, bah, si ça vous va pas, de toute façon, vous repassez. Ramène, bah, voilà, on a l'habitude. Je vous remercie. Oui, oui, merci. Faudrait être là continuellement. Pas moi, on est d'accord. Ouais. Tu vois, j'ai regardé là, il y a des câbles électriques. Et c'est pas mal parce que pour mes collets, je les dénude et j'utilise la gaine à l'intérieur pour faire mes collets. J'ai même trouvé une même.
T'es pris une petite boîte en fer. Oui. Ça va dans ce que je t'ai laissé, tout est bon? Ah oui, tout était propre. D'ailleurs, la carafe, elle est déjà partie. Il y a une dame qui s'intéressait. Donc bon, ça part vite, hein, généralement. Je crois qu'il y a une histoire de filtre avec ça, mais bon. Oui, pour acheter des filtres. Elle connaissait. Enfin, oui, elle avait déjà eu, donc pas de soucis. À une prochaine. Salut, salut, à la prochaine. Si on voit qu'il n'y a personne qui s'est coché, ce qui peut être possible aussi, hein. On a Lucie qui nous renvoie un petit mail en disant il n'y a personne dimanche, qui c'est qui est dispo? Ouais. Et généralement, du coup, il y a quelqu'un qui va dire bah voilà, bah, moi je m'y colle, et puis à la prochaine quoi. Enfin, ouais, je pense qu'au final, si on n'aimait pas ça, on ne le ferait pas. Enfin, on arrêterait quoi. Ouais. Du coup, ça roule pas mal. Donc, De créer du lien aussi parce que. Ouais, c'est ça, on rencontre dans du monde. Coin, mais on se connaît pas forcément les uns les autres. Et là, du coup, bah voilà, il y a ça d'ouvert. Et... comme le bar à côté, ça crée du lien et ça, c'est chouette quoi. Les gens qui viennent là, c'est quoi? C'est que il peut y avoir des gens qui sont vraiment dans le besoin ou c'est quoi en quoi le profil? Un peu de tout, hein. Ouais. Un peu de des deux. Ouais. Ouais. Des gens qui aiment pas faire les magasins aussi, qui aiment bien tout ce qui est d'occasion, qui ont vécu toujours comme ça en fait. Hein. Enfin, je pense que c'est un peu le principe. Enfin, le principal des gens qui viennent là, je pense que c'est ça. C'est en fait la surconsommation. Voilà, ils aiment bien cette manière là, on va dire. Un petit gaspillage. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en général, ils laissent plus de choses qu'ils en prennent. C'est comment c'est en moyenne? Ça dépend. Ouais, généralement, c'est vrai qu'il y a tendance à avoir plus de choses qui arrivent que de choses qui partent. Mmh. Après, il y a aussi des gens qui prennent et qui n'ont pas forcément des choses à amener non plus. Mais ça, c'est pas un souci, quoi.